Acclamer toutes les dames de votre église. Est-ce que les femmes peuvent venir de vous, s'il vous plaît? Acclame. Je suis en train de parler de la même manière pour vous acclamer. De la même manière, vous allez vous élever pour vous acclamer. De la même manière, vous acclamer. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu. Un roi, chapitre 17. Un roi, chapitre 17. Verset 10. Un roi, 17, verset 10. Je vais voir le Seigneur Jésus. La Bible dit, il se leva, un roi, chapitre 17, verset 10. Il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et répondu, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine. Sa peau et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après toi et nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face. J'aime la solution de Dieu. Bien-aimé, si dans ton cas il n'y a plus de solution, alléluia. Sache que le secours de Dieu peut arriver de n'importe quel. Après ce chose, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie touchait violente qui n'avait pas pu en lui de respirer. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mon cœur? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il lui prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeura. Et le toucha à son sein. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un hôte, en d'autres termes, comme un invité d'honneur. Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il dit, vois, ton fils est vivant.
Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Ah, que Dieu bénisse les gens. Amen. Ce passage, bien aimé, a sonné fort dans mon cœur alors que je n'étais même pas préparé. Alléluia. J'aimerais qu'une sœur nous aide à nous donner la lecture de Genèse chapitre 2, 18 à 23. Les sœurs, alléluia. Je voudrais qu'une sœur puisse se tenir debout et nous donne cette lecture. Alléluia. Puisque il faut en ce moment honorer les gens, si on peut acclamer le Seigneur pour la sœur d'Amérique. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel déforma de jeter la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour avoir comment les appeler. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler d'un thème qui nous concerne nous tous. Alléluia. Mais qui se dirige vers une particularité. Le thème de ce matin, bien-aimés, je l'ai intitulé La femme. Alléluia. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis à cette personne la femme. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis en train de prier par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse arroser sa grâce sur cette église. Alléluia. Et que tous les frères de l'église célibataire puissent trouver leur femme au nom de Jésus. Amen. J'entends pas les amens des frères. Amen. Ici en bas, il n'y a pas de frères qui disent amen. Alléluia. Si vous ne dites pas amen, vous êtes compliqué. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Amen, dis amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien aimé, dans la vie de tout être humain, il existe l'apport d'une femme. Alléluia. La vie d'une personne, bien aimé, intervient dans la naissance. Mais avant la naissance, il y a une femme qui nous apporte. Alléluia. C'est merveilleux de savoir que quand nous étions de masse informe, bien-aimés, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient sentir notre existence. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est la femme. Alléluia. Parce que elle, alors que personne d'autre ne peut remarquer, elle peut sentir qu'il y a quelque chose de différent en moi. Alléluia. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui en vie, c'est parce que quelque part, il y a eu l'apport de nos mamans. Alléluia. Et je ne sais pas, bien-aimés, si ta mère est vivante ou elle est morte. Mais, Église, nul au milieu de nous ne peut nier l'effort d'une mère. Alléluia. Parce que tout ce que nous sommes, et tout ce que nous devons devenir, nous devons dédier cela, bien aimé,
aux efforts bien-aimés de nos parents et spécialement de notre mère. Une mère a pris soin de toi pour que tu sois là aujourd'hui. A veillé sur ton éducation. C'est merveilleux de savoir que le premier mot de l'enfant ne vient pas de Dieu. Le premier mot de l'enfant vient de la bouche de sa mère. Tous ceux qui ont étudié, on parle de la langue maternelle. C'est la langue qui a été transmise de la bouche, pas du père, de la mère vers l'enfant. Et si tu es né dans un contexte comme le nôtre, bien-aimé, tu sais que les papas africains sont très souvent absents. Mais la mère, bien-aimée, accomplit tout le travail sur eux. Et d'ailleurs, quand un enfant réussit dans la vie, on dit qu'il fait la fierté de son père et de sa mère. Alléluia. Mais quand il échoue, même son père lui dit, regarde ton fils. Il le dit à qui? À sa mère. Parce que la mère porte toute cette responsabilité. Bien-aimé, il y aura toujours dans chaque étape de notre vie l'apport d'une femme. Alléluia. Toute personne qui grandit sans le besoin d'être à côté d'une personne. Cette personne aura besoin d'une fiancée et cette fiancée sera une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux de savoir que l'éducation que nous avons reçue de l'école ne pourra pas déterminer ce qu'une personne sera exactement. Parce que oui, bien-aimé, si une personne est sortie dans un endroit très compliqué, très moche, et même à l'école, il peut être le meilleur des bandits. Et malgré la prise en charge, il n'y aura pas un maître, bien-aimé, qui sera capable de réaliser le travail d'une mère dans la vie de l'enfant. Tout celui, bien-aimé, qui sera marié un jour aura besoin d'une épouse. Alléluia. Et lui, en tant qu'homme, ne pourra pas faire ce que l'épouse fait pour lui. Donc, il y a chaque, bien-aimé, pour chaque étape dans la vie d'une personne, d'abord une femme. Qui est une femme, bien-aimée? Une femme, c'est un être humain du sexe féminin. C'est une créature de Dieu. Une créature de Dieu, c'est une être semblable. C'est une solution de Dieu contre la solitude. Alléluia. Genèse chapitre 18, bien-aimé, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible parle de la création de la femme et son histoire, bien-aimé. La Bible dit que Dieu vit qu'Adam était seul. Et il se décide de lui créer elle. Il se décide de lui créer une femme, bien-aimée. Une personne qui lui ressemble. Mais ce qui se passe, bien-aimée, le Seigneur commence à faire passer des animaux devant Adam. Et Adam commence à remarquer que les animaux, bien-aimés, sont eux, ils ne sont pas seuls. Et alors qu'il devait faire l'exercice de leur nommer, Adam, lui, était en train de chercher une personne qui lui ressemble. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'en trouva point. Il n'a pas trouvé une personne qui était comme lui. Et en ce moment-là, l'Éternel lui fit plonger dans un sommeil, bien-aimé. Et Dieu crée pour lui, elle. Tout en retirant, bien-aimé, ses côtes. Et c'est merveilleux de savoir, bien-aimé, que les côtes font partie de ce qu'on appelle la cage thoracique. Alléluia. Là où il y a nos poumons, là où il y a notre cœur. Lorsque Dieu était en train de créer elle, de créer une femme, Dieu était en train de faire un don à l'humanité. Vous savez ce que Ève signifie? Ève signifie la vie. Regarde toutes les femmes qui t'entourent, bien-aimées. Ils sont un don de la vie sur terre. Alléluia. Bien-aimées, si dans ce monde il n'y avait pas eu de femmes, qu'est-ce qui allait se passer? Il n'y aurait pas eu de multiplication. Il n'y aurait pas eu ce rêve un jour d'avoir des enfants. Il n'y aurait pas eu la continuité de la vie, bien-aimé. Tout cela ne pouvait pas arriver s'il n'y avait pas la femme. Et le don que le Seigneur a fait à l'humanité, c'est merveilleux, non? C'est d'avoir une femme quelque part. Alléluia. Il y a un frère qui dit, est-ce qu'aujourd'hui, on va écouter seulement les messages de la femme? Regarde ce frère, dis-lui oui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est l'existence originaire de la femme? Genèse 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. En lisant ce texte, nous trouvons
qui a une pensée de Dieu en créant la femme, et cette pensée est celle de combler la solitude d'un homme. D'être une aide semblable, bien-aimé, d'être à charge d'une reproduction. Lorsque Dieu crée une femme, Dieu crée un plan au bout des déceptions. Dieu nous enseigne par alors que le point de départ pour un homme, c'est de désirer cette personne que tu es. Et je veux dire à une sœur ici, pourquoi, bien-aimé, on n'approuve pas le fait qu'une sœur doit aller vers un frère? Alléluia. Parce que ce frère n'a pas suffisamment réalisé le besoin qu'il avait dans son cœur d'avoir une personne comme toi. Quand tu t'es distrait vers une personne qui ne devait pas, il y a une personne quelque part que Dieu est en train de nourrir dans son cœur, ton visage. Alors ne cache pas cela. Ne cache pas cela, bien-aimé. Réserve-toi, bien-aimé, pour la personne que Dieu prépare pour ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dieu, bien-aimé, a créé cette femme pour qu'elle soit une aide semblable. Quand on dit une aide semblable, bien-aimé, ça veut dire une personne qui me ressemble. Une personne qui a deux mains, deux pieds, qui a un visage, qui a une volonté, mais qui est disposée à l'aide. Un jour, un homme est venu vers moi ici à l'église. Il m'a suivi jusqu'à l'église et il m'a dit, pasteur, j'ai besoin que tu me trouves une femme, je veux l'aider. Je vais garder ce frère et je lui ai dit, la première fois qu'une personne a désiré une femme dans la vie, c'était lui qui avait besoin d'aide. Le fait simplement que tu penses que tu vas aider cette femme, tu te trompes. Alléluia. Je dis à les soeurs et à mes filles de la terre du monde, ne poussez pas des tout puissants. Alléluia. Il vous prendra comme des objets. Soyez avec des personnes bien-aimées qui ont réalisé l'importance de votre rapport dans leur vie. Quand Dieu était en train de créer Ève, il savait que Ève avait tout comme Adam. Mais à la seule différence, Ève avait été créée pour aider Adam. Et voyez comment Dieu est très intelligent. Alors qu'il avait encore la recette de créer Adam, il ne crée pas Adam d'abord. Il dit avant toi, tu es là, je t'ai créé, ok. Je ne vais pas reproduire seulement Ève. Dieu vient. Il prend la partie la plus importante de la vie d'une personne. Vous voyez cet homme tel qu'il est là. Il a un cœur. Sans le cœur, il ne peut pas vivre. Alléluia. Il a un cerveau. Sans le cerveau, il ne peut pas vivre. Quand le cerveau s'arrête au bord de la mort cérébrale, tout l'être vivant, mais ici, il y a la mort. Alléluia. Et quand le cœur ne vit plus, le cœur a cessé de battre, une personne ne vit plus. Amen. Amen. Et le cœur vit bien-aimé parce que les poumons sont en train de faire l'exercice de la respiration. Et les poumons sont protégés par les côtes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient ici dans la partie la plus sensible de l'homme. Il étire une côte. La partie qui lui permet de respirer et il crée Ève. Donc, se voir dans sa vie. Bien-aimé. Toute personne qui n'a pas été préparée à avoir une femme à côté de lui, bien-aimé, risque de ne pas être une bénédiction pour cette femme. C'est pourquoi je dis à mes soeurs, il est important avant qu'une personne puisse être avec toi, qu'il puisse te désirer, te chercher, constater réellement qu'il a réellement besoin de toi. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Alléluia. Si on avait déjà pris la décision de créer elle, bien avant, il a remarqué que n'était pas bon qu'Adam soit seul. Mais il ne l'a pas fait automatiquement. Il a attendu que Adam commence à remarquer sa solitude. Bien aimé, si tu es une seule ici, ne va pas vers un célibataire en ici. Il n'a pas encore réalisé qu'il a besoin de quelqu'un. Et il risque de te négliger. Alléluia. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Cet homme qui quitte son père et sa mère, il regarde les parents, il leur dit, je n'ai plus besoin de vous. J'ai besoin